Bonjour à tous, retrouvez dès à présent l'interview de Ferris Ngoma, joueur qui a pu évoluer en Ligue 2 avec l'US Orléans, la Berrichonne de Châteauroux, mais aussi en Ligue 1 avec le Stade Brestois. Je vous laisse découvrir dès à présent son interview et n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et likez, c'est que du positif. Allez, bon visionnage. Du coup, merci Ferris pour cette interview. Justement, donc là, t'as un grand parcours, t'es footballeur professionnel. Je voudrais savoir, ouais, justement, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, tout ce que tu as pu faire. Moi, je suis originaire de Limoges, de base. Je suis à Limoges. J'ai commencé dans mon quartier. Dans mon quartier au Val de Laurence, mon club de quartier. Après, j'ai fait là-bas des Poussins, j'ai commencé en Poussins. Je suis là-bas de Poussin à Benjamin 2. À l'époque, on disait Benjamin 2. Ouais. Je sais pas comment on dit aujourd'hui. Oh, c'est les U13 maintenant. Ouais, c'est ça. ouais. Après, je suis allé toujours d'ailleurs à Limoges. Je suis allé dans un club qui s'appelle le Palais-sur-Vienne. Je suis resté 2 ans. Entre temps, ma deuxième année là-bas, je suis rentré au Pôle Espoir de Châteauroux. J'ai fait 2 ans aussi. Mmh. 2 ans au Pôle Espoir. Après, j'ai joué une année au club phare de la ville, Limoges FC. Et après, je suis allé à Montpellier. Je suis allé à Montpellier en centre de formation pendant 5 ans. D'accord. Parce que là, justement, de ce que j'ai pu voir, tu as commencé le foot du coup en 2001. À peu près. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, comme tu disais, tu as commencé à côté de chez toi. Tu pars au Palais-sur-Vienne. Et c'est là que tu intègres du coup le Pôle Espoir de Châteauroux, qui était... Enfin, c'était quoi ton rêve du coup à l'époque, là où tu avais 14 ans en fait à peu près, c'est ça? C'est 2 ans, tu restes entre... juste avant d'avoir 15 ans, entre 13 et... 12 et 14 ans, t'es là-bas. D'accord, et justement, t'avais déjà un rêve de devenir footballeur ou comment ça se passait dans ta tête déjà? Quand tu rentres au Pôle Espoir, ça commence un peu à se dessiner, tu dis que t'es... Parmi beaucoup, parmi tant d'autres, je fais partie des élus qui ont été pris déjà dans le centre de formation. C'est-à-dire que tu commences à mettre un peu, on va dire, le pied dedans, quoi. D'accord. Et donc, du coup, quelques temps après, 2 ans après, tu intègres du coup le centre de formation de Montpellier. Et comment t'es structuré là-bas, en fait, vu que là, tu arrives du coup dans une structure professionnelle, et comment tu as pu vivre en fait ces 5 années là-bas? Incroyable. Moi, j'ai kiffé le centre de formation, tu vois. Vraiment. En partant, ça a été dur parce que tu t'éloignais un peu plus de la famille. Mais voilà, je savais ce que je voulais. En allant au centre de formation, franchement, c'était. Moi, j'ai kiffé, tu vois. Vraiment, j'ai kiffé le centre de formation. Surtout les premières années où tu es dans la découverte, tu as plus ou moins un statut et tout. Non, franchement, les premières années, j'ai vraiment kiffé. Parce que du coup, là-bas, t'es parti, t'étais encore en réserve? Je suis arrivé là-bas, j'étais en U15. U15, j'ai commencé en 15 ans. Je suis passé en U14 aujourd'hui. Ouais, ça. J'étais en 15 ans, en U16, je crois. Ouais, j'étais en 15 ans. U16, du coup, t'as 15 ans, ouais. U16, j'étais en 15 ans. À l'époque, on appelait ça les contrats aspirants. J'avais un contrat aspirant de 3 ans. J'ai fait tout mon contrat aspirant 3 ans. Après, j'ai signé stagiaire pro avec la réserve. D'accord. Et 2 ans de salaire pro. D'accord. Et donc, du coup, t'as quitté le Montpellier Hérault. En fait, t'étais en réserve. Ouais, c'est ça. Et t'as jamais connu de match en Ligue 1? Non, jamais. D'accord. Enfin, Ligue 1 ou Ligue 2, je sais pas où est-ce que c'était. Non, c'était Ligue 1 à l'époque. Ligue 1, ouais, déjà, ouais. Et justement, donc, après Montpellier, tu retournes du coup dans le milieu amateur. Tu retrouves un club, enfin, quand je dis amateur, c'est semi-pro parce que c'est ouais, CFA, enfin, CFA 2. Enfin. Après Montpellier, j'arrête. T'as arrêté? J'avais arrêté. T'as dégoûté en fait le fait de ne pas être retenu? Un petit burn-out. Donc j'avais arrêté. J'avais arrêté un petit temps, presque un an. J'ai arrêté. Et après, j'ai rejoué dans le club où j'ai joué en 80 fédéraux à Limoges. Au milieu amateur. Ouais. D'accord. Et justement, c'est là, du coup, c'est là que tu as repris l'envie de jouer ou de voir plus haut après par la suite? Bon, en fait, moi, je quitte Montpellier.
les années, je sais plus, c'est quand je quitte Montpellier, ma dernière année aspirant. En fait, c'est que j'ai pas de. Quand on donne les décisions pour savoir si tu signes pro ou pas, au début, j'ai pas de réponse. J'ai vraiment pas de réponse. En gros, on me laisse en attente, tu vois. Mais à l'époque, c'était un gros Montpellier héros, tu vois. C'était à l'époque où je crois que c'était un an après qu'il devienne champion, je crois, en France. D'accord. Avec l'époque Giroud et Tvana, Beranda et tout ça. Et moi, je suis un peu dans l'attente, tu vois. On va dire sur le tard, on me dit que je n'irai pas pro. Et ça veut dire après, j'avais quelques opportunités encore, tu vois, en Ligue 2 et tout pour pouvoir signer pro. Sauf qu'il y a un petit problème avec mon agent de l'époque, ce qui a fait que voilà, je me suis retrouvé sans rien. Sans rien à une période où. Où tous les gens signaient plus ou moins. D'accord. Et ça m'avait un peu dégoûté. Et en gros, ça m'avait un peu dégoûté. Ça m'a mis un petit coup, parce que j'avais été un peu naïf à cette période-là, qui est beaucoup plus jeune. Ça m'a mis un petit coup. Et puis voilà, je me souviens même que je devais aller en essai Arsenal et tout. Et je n'ai pas allé. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, à ce point-là, voilà, ça t'a dégoûté, t'as plus envie de jouer. J'avais plus rien du tout, j'étais resté chez moi. Je me souviens, j'étais resté parce que un mois et demi sans sortir de chez moi. Parce que j'avais un peu cette honte, tout ça, de sortir de chez toi. Mmh. Dans un quartier, j'avais un peu une petite honte de redescendre en bas de chez moi. Que les gens me disaient, qu'est-ce que tu fais là et tout. Et puis voilà, après j'avais. Je me suis mis à parler un peu avec mes parents pour savoir ce que je voulais faire. Je me souviens, je voulais être un peu dans la vie active aussi, je voulais travailler. Je voulais travailler, au final, ma mère m'a dit non, ma mère n'a pas voulu. Ma mère n'a pas voulu, et puis voilà, je me suis un peu caché derrière mon malheur, mais ça m'a fait du bien parce que, au final, le foot, ça me manquait. Et voilà, j'ai eu l'appel d'un ancien grand de chez moi qui jouait, qui s'appelait Dimitri Calouin, qui m'a dit vas-y, en gros, l'épopée, elle est passée, elle vient reprendre du plaisir, t'inquiète, ça va être bien et tout. Et ça n'a pas manqué, j'ai repris du plaisir. En plus, on est monté en CFA, je m'en souviens, à la fin de saison. On est monté en CFA et puis j'ai kiffé. Oui, justement, en parlant de ça, du coup, j'allais y revenir. Tu fais deux saisons Limoges, champion de CFA 2. Et justement, ça devait être quand même une saison hallucinante. Hein. Enrichissante parce que c'est encore le côté un petit peu amateur, donc du coup tu joues avec tes potes. Tu peux un petit peu nous résumer cette saison qui devait être pour toi grandiose, surtout que c'était chez toi en plus. Bon, en fait je rentre chez moi et en fait quand je reviens pour j'ai fait une saison en fait, j'ai fait 6 mois en CFA, 6 mois en CFA. Ah oui. Ouais. Et je rentre et quand je découvre l'équipe, je suis surpris parce qu'il y a au moins 3-4 mecs de ma génération, deux ou trois mecs de ma génération que j'ai joué avec eux en 14 ans nationaux qui sont en équipe première là-bas. Un mec qui était avec moi au Pôle Espoir. Ah oui. Et un ami d'enfance avec qui je traînais tout le temps, tu vois. Et ça veut dire que j'arrive là-bas, je suis pas dépaysé, je suis content, tu vois, de retrouver du monde quand même, tu vois. Et après, l'adaptation s'est fait naturellement. J'étais chez moi, j'étais vraiment là pour retrouver du plaisir et j'en ai vraiment retrouvé. Et voilà, j'ai passé la saison en CFA 2, franchement, elle était top de fou. J'ai kiffé rejouer en CFA 2, surtout chez moi, puisque j'avais une petite étiquette aussi encore, tu vois. Mmh. Et ça n'a pas manqué, j'ai vraiment, vraiment pris du plaisir. D'accord, ah, c'est excellent. Et justement, parce que du coup, c'est quoi, tu fais un an dans le milieu, on va dire, amateur, semi-pro, et juste après, tu retrouves en fait une structure professionnelle. Ouais, en fait, je fais 6 mois en CFA 2. 6 mois en CFA 2, et après, en montant CFA, je fais 6 mois aussi en CFA. Après, j'avais quelques touches de club de Ligue 2, tu vois, quelques touches de club de Ligue 2. Et je m'en souviens, même l'année en CFA 2, j'étais allé m'entraîner avec Valenciennes, une période, tu vois, 4 jours, j'étais allé m'entraîner avec Valenciennes. Après, j'étais rentré parce que je voulais pas trop, tu vois, j'étais pas trop motivé aussi, tu vois.
de partir directement, alors que je me sentais bien déjà dans le monde amateur, tu vois, je me sentais très bien, donc Valenciennes, je trouvais que c'était tôt, parce que j'étais bien, on va dire, c'était une période où je retrouvais un peu goût, plaisir et tout, j'étais super bien, et au final, après, ben, je vais aussi m'entraîner avec Luton, je m'en souviens, je vais m'entraîner aussi avec Luton, en Angleterre, et j'étais bien passé aussi, mais après, je rentre aussi. Et Luton, qui était en quelle division? Luton, ils étaient en Championship, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, je crois que c'était Championship. Je me souviens, j'avais regardé un match de Championship contre Jupiter à l'époque. Et je les vois à la télé, tu vois. Et je m'entraîne avec eux aussi une semaine ou deux, et ça se passe bien. Ça se passait super bien. Et chaque après, j'avais envie de rentrer, j'étais encore bien dans le monde amateur, tu vois. Et j'avais pas envie de me prendre la tête. Retrouver la structure où je me prenais la tête, où il fallait que voilà, je me remette dans un. Dans un cocon où faut écraser l'autre, j'étais pas dans ça encore, tu vois. Je m'étais pas remis dans ça. Et au final, je m'en souviens, je fais une semaine d'entraînement à la reprise en CFA avec Limoges. Et je m'en souviens, je fais des matchs amicaux contre Châteauroux, contre Clermont et tout. Et j'attisais un peu certains clubs. Et au final, après, ben, je fais une semaine encore à Tours. Je fais quelques jours à Tours. Et après, ben, voilà, naturellement, je fais, voilà, j'ai le lien avec Orléans et je suis né à Orléans. D'accord. Parce que du coup, là, tu disais que tu avais eu des problèmes d'agent en fait, à ta sortie de Montpellier. Là, du coup, tu étais tout seul, en fait. Là, au niveau du club, les essais que tu as fait. Non, en fait, c'est que quand je reprends en CFA2, je fais un match en PH. D'accord. Je fais un match avec la réserve en PH. Et à ce match-là, il y avait le beau-frère de l'agent que j'avais à l'époque, de mon agent que j'avais, et qui était là, enfin, qui m'a fait, tu vois, qui m'a suivi jusqu'à plus ou moins maintenant, tu vois. Et il était venu voir ce match-là et demander à un collègue à moi qui était en tribune, ouais. C'est qui le joueur et tout en parlant de moi. Mon pote il a un peu dit qui j'étais et tout. Il est venu en contact avec moi. Il est venu en contact, on a parlé. Voilà, j'étais un peu réticent, mais ça a accroché. Ça a accroché, il est venu voir mes parents et tout. Ça a matché plus ou moins, tu vois. Et puis après, voilà, c'est lui qui a un peu démarché, qui m'a un peu suivi, qui m'a sorti à peu près tous les clubs de Ligue 2 qui me suivaient plus ou moins, tu vois. D'accord, ouais. Donc en fait, mais il te connaissait pas en fait, il savait pas que t'étais de son beau-frère à l'époque. Ouais, il me connaissait pas. D'accord. Ouais. Et justement, donc tu fais champion de CFA 2 avec Limoges, tu vas en CFA, après tu arrives à Orléans, et la première année, vous êtes en National et vous montez en Ligue 2. C'est ça, ouais, si c'est ça. Donc en fait, j'étais arrivé à la trêve déjà. La trêve, ils étaient déjà en Ligue 2. Et c'était déjà en Ligue 2. Et ça descendait en National. D'accord. Voilà, et après la saison où j'ai vraiment intégré le groupe, c'était l'année nationale en montant en Ligue 2, c'est ça. D'accord, donc là, du coup, pareil, c'est un trophée aussi derrière. Est-ce que c'était champion national ou si. Non, pas champion. Je crois qu'on était deuxième. Ouais, deuxième. Ah. On est monté. Et c'était découverte du niveau déjà. Ouais. Du niveau, je connaissais d'abord, j'avais pas encore joué en professionnel, que j'avais jamais encore joué en professionnel, mais c'est à dire que je découvrais, j'apprenais, j'étais un peu petit, mais voilà, j'apprenais, je découvrais, je voyais beaucoup de talent national. Ça parce que j'avais beaucoup de talent national, et puis voilà, après on y a montré, c'était une. C'est l'an d'apprentissage. Parce que du coup, t'es arrivé en fait, ton premier match en professionnel, t'avais quel âge? T'avais 24 par là? 23, 22, je pense. Hein. D'accord. Oui, quand même. Parce que du coup, tu disais, t'as fait 5 ans. J'arrive pas à me repérer avec mes temps. Mais ouais, peut-être 22, 23 ans. Non, parce que tu disais du coup que t'as quitté Montpellier donc à partir de 20 ans. T'es revenu au foot à peu près à 20 ans et demi, 21 ans. Ouais, donc ouais, tu tournes autour de ce prix là, ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Et du coup, par la suite,
Donc Ligue 2 avec Orléans. Et après, c'est quoi? C'est que tu es transféré au Stade Brestois, qui sont en Ligue 2, qui sont en Ligue 2 à l'époque. Et Ouais. tu fais tu as pu faire après par la suite tes premières minutes en Ligue 1, c'est ça? Avec eux. C'est ça, ouais. D'accord, Bah, exact. on monte avec Brest en Ligue 1. D'accord. Après je fais une première minute en Ligue 1, c'est ça. En fait, on fait la nuit de la montée, après je fais la, et après c'est les premières minutes en Ligue 1. Et là justement, on va dire que tu arrives à un échelon aussi supérieur. Comment tu as vécu tes premières minutes en fait du coup dans l'élite du football français? Les premières minutes, je crois que c'était le premier match. Ouais, le match d'ouverture de la saison, c'était contre Toulouse. Excité, vraiment excité, beaucoup d'envie, surtout excité, beaucoup d'envie. Et ouais, non, après c'était l'accomplissement de. À l'époque, je disais c'était l'accomplissement de toutes les galères que j'ai eues. Mais ouais, j'étais content, très heureux. Détendu, mais très heureux. Après, voilà, c'est pas la suite. Ça va passer comme je voulais, mais bon, j'étais content d'avoir découvert la Ligue. Parce que du coup, tu as été 3 ans à Brest, on va dire, tu avais fait 2 saisons où tu avais un peu joué quand même, tu étais dans la rotation, et la dernière année un petit peu moins du coup. Comment ça se faisait du coup? Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, j'ai pas de mots parce que j'ai jamais eu de discussion réelle C'est pour un changement de savoir. coach, changement de direction. En fait, la première année, j'étais en bas avec Furlan. D'accord. Je suis un peu réticent. Je suis un peu réticent parce que je connais pas le personnage, je connais juste le nom. Et au final, ma grande surprise, c'est le coach qui, personnellement, m'a marqué, tu vois. Qui m'a marqué, m'a fait jouer, m'a fait confiance, m'a fait voir une autre facette du football, collectivement. Et puis voilà, après ça m'a aidé pour la suite, c'est-à-dire j'étais assez confiant pour la seconde saison. Et sauf qu'on change de coach. On change de coach. Et malheureusement, voilà, ça m'a pas aidé, ça n'a pas été bénéfique. Mais voilà, c'est le jeu, c'est la vie, on va dire ça comme ça, même si je pense que c'est une déception, une grosse déception, parce que je pense que je pouvais faire. Je pouvais prétendre être à avoir une meilleure évolution via cette saison-là. D'accord, et du coup donc tu fais 3 saisons au Stade Brestois et après par la suite du coup tu descends deux échelons plus bas, tu reviens en national du coup. Ouais, je reviens au national parce que ma dernière saison a donné raison plus ou moins aux gens, on va dire. Un peu raison aux gens en disant que voilà, j'avais pas beaucoup de temps de jeu, j'avais presque pas joué. Pas du tout, presque. Voilà, il fallait se refaire une santé, il fallait reculer pour me souder. Et puis voilà, en Ligue 2, j'avais que Sochaux. Sochaux, voilà, mon agent avait Omar Daf qui avait été très clair, tu vois. Il avait été très clair en disant que voilà, si vous avez pas partir un tel joueur, qui pouvait pas me prendre. Tout ce qui s'est passé, ça m'a fait plaisir qu'ils me le disent, qu'ils le disent un peu comme ça, quoi. Bah, il a été franc, quoi, il a pas menti. Et puis voilà, après il y avait Châteauroux. Châteauroux était là, il y avait le directeur sportif que je connaissais déjà, qui était Julien Cordonnier, voilà, que j'avais eu à Orléans déjà. J'avais déjà D'accord. eu à Orléans. Voilà, il me contacte, c'est un beau projet. Il y a Bendjelloul Dioussouf, qui est un ami de longue date que j'ai joué à Orléans, qui va rejoindre Châteauroux aussi. Voilà, on se concerte, on se parle. J'ai un peu les échos des joueurs qui vont arriver là-bas aussi pour jouer en national. Je me dis, bon, ça peut être pas mal. J'y vais, et puis voilà. J'ai passé 2 ans compliqués, on va dire, mais 2 ans où j'ai kiffé être à Châteauroux. Enfin, Ouais. du moins, la vie de groupe, rejouer au foot, j'ai kiffé être à Châteauroux. Parce que je pense que voilà, tu étais en Ligue 1 avec Brest, descendre en National, la mentalité est peut-être différente aussi. Et on va dire, tu retrouves peut-être un petit peu plus de convivialité que tu pouvais avoir enfin, que tu pouvais pas avoir en professionnel. Je sais pas comment ça pouvait se passer là-bas. Non, parce que Châteauroux c'était professionnel et Brest franchement c'était je pense c'est le meilleur vestiaire que j'ai connu en tant que footballeur.
je n'ai pas connu 15 000. C'était un vestiaire où, dans la camaraderie, c'était incroyable. Vraiment, c'était vraiment incroyable. J'ai kiffé les 3 années passées à Brest. Et voilà, je suis arrivé à Châteauroux. Fallait... Sur le coup, tu es un peu déçu. Tu te dis, bon, comment déjà on va me juger par rapport au saut que je vis? Comment on va me juger? Et puis voilà, après que tu fais moins attention à ça, tu arrives dans un vestiaire, des joueurs de qualité. Et puis voilà, je te prends dans la masse. Et puis après, quand il faut y aller. Hein, tu y es, maintenant, il faut y aller, il faut jouer. D'accord. Et donc, du coup, tu as fait 2 ans là-bas. Et du coup, là, de ce que j'ai cru voir, tu es sans club et tu es blessé. Là, tu reviens de convalescence, c'est ça? C'est ça. Donc, tu t'es blessé en fait en fin de saison avec Châteauroux ou... Ouais, c'est ça. En entraînement tout seul, je me fais un traumatisme rotulien. D'accord. En interception d'un ballon anodin, tu vois, je me fais un traumatisme rotulien. Et puis, voilà. Au début, on me dit ça va durer 3 mois, pas trop longtemps, tu vois. Et je m'étais dit, bon, ça dure 3 mois, ben, je serai là pour. Plus ou moins la reprise pour pouvoir être accueilli dans un nouveau club ou quoi que ce soit. Au final, la blessure est beaucoup plus grave. Ça dure un peu plus longtemps, tu as du mal à t'en remettre. Et puis voilà, ça prend plus de temps, tu attends, sensation. Et puis voilà, mais c'est une expérience qui m'aura appris à grandir. D'accord, parce que là, du coup, en fait, là, t'es sans club, la période, du coup, de t'as plus de club par la suite, comment t'as pu vivre, en fait, cette période par la suite, tu sais que t'es pas conservé ou que le contrat, il n'y a pas de contrat derrière, comment t'as pu vivre cette période? Comment j'ai vécu ça? Ouais, difficilement, quand même, faut pas se mentir, j'essaie de relativiser surtout, mais difficilement, parce que... Difficilement parce que ça me rappelait, c'est ma première blessure, ma première grosse blessure. Et voilà, quand tu connais pas, t'es pas prêt, tu sais pas comment ça va s'en suivre. Tu ne sais rien, t'es dans l'inconnu et ça veut dire tu te demandes est-ce que tu. Enfin, quand tu vois que t'arrives pas à revenir, t'as des douleurs et que voilà, ta jambe elle a du mal à être connectée, tu te demandes est-ce que tu vas pouvoir rejouer au foot. Tu te posais des réelles questions. J'avais déjà vu des interviews de certains joueurs où ils disaient qu'ils avaient du mal à revenir et se poser la question de savoir comment ils pouvaient rejouer au foot. Sur le moment, moi, quand je voyais ça, je me disais c'est impossible. Et tout. Limite, ils bluffent. Quand ils disent des trucs comme ça, c'est pour sensibiliser un peu les téléspectateurs ou autre. Mais c'est la vérité, c'est vraiment la vérité. T'as du mal à savoir quand est-ce que tu vas revenir. Et au final, tu baisses un peu les bras et tu te dis en fait, le football, c'est fini. Quoi. Et là, du coup, là, t'as 30 ans, tu penses essayer de retrouver un club à la fin de ta convalescence ou tu penses que pour toi, c'est fini le niveau? Non, je pense que là, ça va mieux. Dieu merci, ça va mieux. J'ai pu retrouver énormément de sensations. Donc, ça va mieux. Maintenant, voilà, on se prépare pour la saison prochaine. Voir s'il y aura des échéances. Même là, on essaie, on verra bien. Mais oui, je pense que pour cet été, on sera prêt pour pouvoir essayer de retrouver quelque chose. Parce que là, du coup, j'imagine que tu es retourné sur Limoges, tu es retourné proche de ta famille ou tu es resté sur Châteauroux? Ouais, je suis entre Marseille et Orléans, parce que mes parents sont à Orléans, et là, j'ai mes enfants qui sont à l'école. Mon plus grand est à l'école à Marseille. D'accord. Parce que ma femme est d'originaire là-bas, donc on a emménagé là-bas. Et puis voilà, donc je suis un peu entre les deux. Enfin, entre-temps, j'étais aussi à Clairefontaine. Je suis un peu partout, mais là, je suis même pas en Orléans. Parce que du coup, c'est là que tu as rencontré Thomas Chenel à Clairefontaine, j'imagine, quand vous étiez en convalescence là-bas, ensemble? Ouais, c'est là-bas que je l'ai rencontré, ouais. D'accord, ok. Ouais. C'est la période des convalescents là-bas, j'entends ouais, plus bon, ça. Ouais, bon, en fait, la période de réalisation, on était tous les deux. Moi, il est arrivé sur ma dernière semaine, et lui, il était sur sa première semaine. Ça veut dire on était tous les deux, on était en binôme, on travaillait tout le temps ensemble, on était tous les matchs liés en réaction, on était ensemble. À chaque fois qu'on allait sur le terrain, on était ensemble parce qu'on était là, c'était la période où on était le binôme qui sortait sur le terrain en fait. D'accord, ouais, mais c'est tout le temps ensemble et du coup. Ouais, on était quasiment toute la semaine ensemble. Ouais. D'accord, et là du coup. Que peut-on te souhaiter du coup par la suite? J'imagine que tu as des contacts quand même avec des clubs ou ton agent essaie de trouver des clubs par la suite. Comment ça se passe? Ouais, plus ou moins ça discute, mais après là c'est pas trop. Pas trop concret, de...
pas trop de concret parce que voilà, on ne sait pas ce qui va dessiner dans chaque club qui sont en compétition. Donc voilà, je me prépare, j'essaie de revenir en forme au niveau de ma santé, faire en sorte que j'aille bien, que j'ai plus d'appréhension et puis voilà, déjà me sentir bien et après on verra le football. Je pense que aujourd'hui c'est un peu secondaire quoi. C'est un peu secondaire, faut toujours mettre la santé en premier plan. Et je pense que la suite, après, si t'es bien, la suite suivra, j'espère. Non, en tout cas, merci pour cette interview.